Bon. Eh ben, tu veux toujours pas mourir, toi? Non, bah non. Aller aux toilettes, manger les. Je vous dis, il va tenir jusqu'au bout, en fait. Prendre les restes et puis prendre une douche. On va vendre le tableau. Ça fera un petit peu de sous. Allez, prochaine étape, le fitness. Va falloir qu'on s'occupe un peu de ses besoins parce que ça devient n'importe quoi. Utiliser. Prendre. Oula, l'omelette, elle est restée dehors toute la nuit. Elle n'est pas encore gâtée, mais ça ne saurait tarder. Prendre des restes. Et prendre une douche aussi. Ah, il n'a pas l'air décidé. Hein. Sa barre, elle brille depuis 6 jours, là, et il veut pas. Il veut pas, il est bien. Il se sent bien ici. Il est content. Il a son petit jardin. Voilà. Il se sent bien. Il veut pas mourir. Bon, après, je pourrais lui faire faire crac-crac quelques fois pour le tuer, mais c'est pas gentil quand même. C'est pas gentil. Bon, et toi, t'as pas fini de pioncer là? Putain, quel flemmard. Mais quel flemmard. Entre un qui veut pas dormir et un qui fait. Non, un qui veut pas mourir, pardon, et un qui fait que dormir. Hein. Bonjour la famille. Hein. Alors. Bon allez, c'est bon là, t'as assez dormi. C'est moi que tu fatigues là. Alors quand t'es triste, tu peux pas aller faire pipi, c'est ça? C'est bien connu, c'est bien connu. Hop, prendre des restes. Et pourquoi t'es triste? Ah parce que t'as pas d'amis. T'as pas d'amis, t'as pas d'amis. Allez, tu iras jouer avec ton père après. Allez. On va attendre qu'il arrive. Faut encore qu'il mange. Voilà, mange un bout. Et après, tu vas jouer avec ton père. Qui commence à jouer sans toi, c'est toujours plus sympa. Ouais, mais j'essaye en fait de remonter son besoin social tout en lui faisant monter ses compétences parce que les réseaux sociaux c'est bien, mais c'est pas une compétence, je crois. Enfin, discuter sur l'ordinateur, je sais pas si c'est. Si ça fait monter une quelconque compétence. Ah, ils ont arrêté de jouer. Oui, il m'énerve! Allez. Voilà. La barre remonte. La logique monte aussi. Allez, 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 on va lui faire monter sa barre au maximum. Toi, t'es crevé, tu vas voir qu'elle va mourir avant lui. Prendre une douche. Et puis tu vas les nettoyer parce que c'est le bordel. Ils ont arrêté de jouer. Bah oui, sinon c'est. Mais arrête, détends-toi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est jouer avec. Jouer avec ton fils. Et après, tu iras faire pipi hein, parce que comme tu es vieux, tu ne fais que ça de ta journée. On peut prendre les restes à Andrea. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Le fitness, tiens. En tant que t'as pas bossé. Ouais, elle travaille jusqu'à la mort. Chez moi, il n'y a pas de. La retraite, ça n'existe pas. En fait, je l'ai fait. Je lui ai trouvé un travail parce que. Juste pour. Parce que je savais plus quoi faire de la journée pendant qu'Andrea était à l'école.
Et du coup, ça permettait de plus l'avoir dans les pattes pendant quelques heures. Donc, c'est pour ça qu'elle a trouvé un travail. Mais en vrai, c'est juste pour m'en débarrasser, quoi. Parce qu'une fois que le Wonder Child atteint l'âge enfant, en fait, on n'a plus vraiment besoin des parents, quoi. Voilà, c'est ce que je disais, les parents ne me servent qu'à faire les boniches. Elle s'ennuie. Ok, toi, t'en es où? Allez, un petit crac-crac, ça va peut-être te faire passer de l'autre côté aussi. Quelle belle mort. Si jamais tu meurs en faisant crac-crac. Et toi, non, toujours pas. Allez. Allez, finis-moi le fitness, là, t'y es presque. 82%. Allez, 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 allez. Allez, tu es presque. Bravo. Bien joué. Jardinage après. Tiens. Je pense qu'il y a des choses à faire. Et tout récolter. Voilà. Pourquoi tu dors pas, toi? Oh, parce que t'as envie de faire pipi, de manger. Allez, l'utiliser. Prendre des restes et dormir. On va pas refaire crac-crac. Hein. Allez. Allez, fais monter ta barre là. Hop, un point de plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on va te faire faire? Ah, le bricolage, tiens. T'es pas bête, ça. Non, c'est pas Céleste. Toi, tu peux peut-être bricoler, améliorer. Ah, mais non, tu peux pas tant qu'il n'y a rien à réparer. Ah, c'est bête, ça. Ouais, il y a un truc qui va casser d'ici tout à l'heure. Hop, le piano. C'est pas mal, le piano. C'est pas mal le piano. Et puis après t'iras manger aux toilettes et au dodo. Voilà. C'est le programme de la soirée. Dodo. Voilà. Tu te dépêches parce que tes parents dorment déjà. Comme ça on pourra passer en vitesse un petit peu accélérée. On en est où? 2 jours. Ça sent la fin, ça sent la fin. On va peut-être même avoir la fin du challenge dans ce live. Donc, on va voir ce que ça donne. Il reste 2 jours. J'ai 2 jours de congé, je crois. Oui, on va prendre 1 jour de congé aussi. École, avant d'aller au lit. Allez, c'est parti. Hop, essaye de ne pas te faire pipi dessus, s'il te plaît. Voilà, sa barbe sociale est déjà redevenue jaune, sinon c'est pas drôle. Allez, vas-y, appelle, pose les joues et va dormir. Hop. Allez, c'est vrai qu'il faut qu'il aille au travail. Allez, va au travail, va au travail, va au travail. Putain, il est encore en retard au travail. On va jamais y arriver, ce travail. Enfin, vu que les points qu'on gagne, c'est en fonction du nombre de jours qui restent avant de passer adulte, en fait, on va gagner 1 point, 2 points. Enfin, ça vaut pas le coup. Et John est toujours là, indestructible. Indestructible John. L'homme qui ne savait pas mourir. J'aurais dû faire un legacy avec lui. Il aurait encore été là la 10e génération. Du variété préférée, parce qu'il remarque une nouvelle variété de grains. On va essayer de le mélanger avec autre chose. Ah oui. Bon bah c'est bien. On va peut-être le faire. Non, pas vraiment. Ça l'a pas fait.
Alors, hop, une douche. Et puis, on va bosser quelque chose. On va bosser la comédie. Et après, tu iras dormir. Hop, on va s'occuper de tes parents un petit peu. Bon, il va aller aux toilettes, il va attendre. Elle a faim, donc elle va aller cuisiner. Et elle va cuisiner, elle va cuisiner. Du bar grillé. Voilà. Ensuite, voilà. Donc, du coup, toi, tu peux aller aux toilettes. Pourquoi t'es pas content de ton lit? Mal de dos. Bah, mais c'est comme ça. J'ai pas l'argent pour t'acheter un meilleur lit, donc fais avec. Voilà, hop, du bar grillé, magnifique. Magnifique. Allez, 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 allez. Bon, après le dodo, on en est où? Ah, c'est pas mal, hein? Commence à avoir pas mal de compétences. Comme il faut. Allez. Céleste va travailler, magnifique. Andrea va bientôt aller dormir. Il dort à des heures pas possibles, ce gosse. C'est freestyle ici. On dort la journée, on vit la nuit. C'est. Chacun sa life. Chacun sa life. Oui, t'es fatigué, je sais. Elle est finie. Reste pas grand-chose, hein. Il lui est resté, mais ça, quoi. Mais non. Mais non, mais non. Ce sera pour demain. Allez. Essayez de le faire dormir. Tu peux aller dormir aussi, comme ça. La journée passera plus vite, voilà. C'est gentil de te sacrifier, papy. Je vous dis, il va finir le challenge. Il va finir le challenge. Cet homme est immortel. C'est l'immortel. Là. Ah, les revenus du travail. Bah, elle a rien à faire, elle a à faire le ménage comme d'habitude. Allez, toi tu vas manger, prendre les restes et aller aux toilettes. Ah non, lui il va chercher des pièces, tiens. Chercher des pièces. Toi, tu vas regarder la télé. Ah, c'est bientôt l'anniversaire d'Andrea. On touche à la fin de ce challenge. Alors ensuite, bon, ça y est, t'as assez dormi là, c'est bon. Essayer de finir les poils de. Bah non, il avait d'aller aux toilettes, donc il finira pas. Allez, voilà. Allez, pas aux toilettes. Hop, tu manges très bien. Et lui, qu'est-ce qui lui arrive? Ben, il va aller manger, tiens. Après, il ira aux toilettes et après, il ira prendre une douche. Plus de choix, amical. Non, ça va pas être parti. J'ai entendu dire que c'était soirée extraterrestre. Non, mais je crois que j'ai que ça à faire. Ah bah tiens, tu vas réparer la télé. À monter ta compétence. Et ça fait monter quoi d'autre? J'ai vu un truc. Responsabilité, super. Voilà. Tu vas aller fouiller dans les pièces. Ça va te faire monter aussi. Ah, on y est presque, on y est presque. Hop, prendre des restes, dormir. Alors lui, il est pas bien, mais on sait pas. Oui, c'est parce que c'est crado.
nettoyer, nettoyer. Et voilà. Ensuite, est-ce que tu peux réparer des choses? Enfin, ou améliorer des choses. Améliorer. Non, tu peux rien améliorer. Donc, tu vas aller faire du violon, tiens. Je crois que t'es qu'à 1 en violon. Ouais, t'es qu'à 1. Après, on ira faire DJ. S'entraîner. Bon, alors la question du jour, c'est qui va finir en premier, le challenge ou John? Moi, je parie sur le challenge, mais... parce que John a l'air assez... assez accroché à sa vie. Visiblement, il y tient. Allez, mon bonhomme. Hop! Allez, on a encore pas mal de points à prendre. Alors, on fera pas de fête d'anniversaire, hein, je vous le dis tout de suite. Vu le fiasco de la dernière fête d'anniversaire, on va rester sur rien. Sur un ado qui grandit tout seul, comme un grand. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il a? Allez au travail, va au travail, va au travail, va au travail. Ah, il est encore en retard, mais c'est pas possible. Jamais il arrivera à l'heure au travail, c'est impossible. Qu'est-ce que t'as, toi? Bah, va dormir. Mon perso est une femme. Tu veux dire lui, là? Non, c'est un homme, c'est un garçon. Et il n'a pas eu sa promo. Bon, bah, tant pis. Tant pis. Allez, DJ. Non, non, c'est un garçon avec les cheveux un petit peu longs, je te l'accorde. Et il est un petit peu maigre, je te l'accorde aussi, mais c'est un garçon. C'est juste que quand il était petit, il a fait beaucoup de barres transversales et du coup, il est devenu tout maigre. J'ai bien essayé de lui faire faire du sport, mais ça se développe pas des masses. Allez, on va grappiller encore quelques points avant le... Voilà, non mais je vous dis, Céleste, elle va mourir avant John. C'est quand même assez incroyable. Qu'est-ce qu'il a loupé, lui? Non, mais tu vas pas à l'école, de toute façon. Cherche pas, c'est ton dernier jour. Donc, pas d'école. J'ai oublié d'appeler, on va dire qu'on est malade. Allez, appelle. On est désolé, on viendra pas, pardon. On va aller s'occuper un peu de ses besoins parce qu'ils sont bas quand même. Prendre des restes, aller aux toilettes, prendre une douche. Jeter au passage. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du charisme et du bowling. Voilà. Ah, il y a des Sims qui meurent jamais, ben ouais, c'est Highlander quoi, un restaurant à Caen. Et ben c'est John qui gagne. C'est John qui gagne. Et ben va manger et puis tire aux toilettes après. Je comprends pas, moi. Il veut pas mourir. Ben, tu feras le ménage aussi. Je sais pas, sa barre elle clignote depuis presque 8 jours maintenant et toujours pas. Donc je pense que la faucheuse doit bien l'aimer, elle le laisse en paix mais voilà. Alors. Vas-y, raconte ta vie. Hop, un deuxième point de charisme. Magnifique.
Après tirage au bowling. Elle est très très mal à l'aise. Tu veux pas jouer au bowling quand même? Non, tu veux pas jouer au bowling. Eh ben va dormir mon petit. Allez va, tu peux aller dormir. Wow, on est large. Pour une journée quoi. On est large. Bon. Et John, John. Voilà. Ah, il s'est fait pipi dessus, oui, c'est normal. Ah oui, non, je veux pas réparer. Oh, j'ai freeze. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, ce que j'aime pas quand c'est comme ça, je fais un petit sauvegarde. Parce que c'est à peu près 1h20 que j'ai pas sauvegardé. Ça m'embêterait que ça plante maintenant. Donc, tant pis. Voilà, je perds quelques secondes. Donc, comme tu... Ah oui, alors je voudrais qu'Andrea vienne réparer, s'il te plaît. Allez, réparer. Et comme ça, son père pourra prendre une douche, lui qui s'est fait dessus. Voilà. Hop, super. Tu peux retourner dormir. Merci. Prendre une douche. Allez, hop, 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 hop. Voilà, Céleste. Elle est crado, Céleste. Elle aussi, elle a dû se faire pipi dessus, je pense, en août. Et puis, ils vont aller faire crac-crac parce qu'elle a besoin de se divertir. Qui sait, ça va peut-être finir par tuer John. Allez. Quand tu veux. Voilà, un petit crac-crac qui va bien. Et tout le monde est content. Bon, puis lui, non. Ah, quand même, hein, le crac-crac, ça le fatigue un peu. Hein. Niveau de fatigue dangereux. Et personne ne veut dormir. Bon. Hop, et dormir, comme ça, pouvoir passer en grande vitesse. Hop. Okay, il ne veut plus dormir. Bon, les gars, il va falloir vous raccorder, là, parce que... Ouais, c'est bon, t'as assez mangé. Allez, au lit. Voilà, merci. Bowling, donc on a dit. Et puis après bowling, tire à manger. Et puis après, on appellera l'école. Ah. Je peux pas redire que je suis malade. Bon. Après, on en est où? Ok, bah écoute, continue. Ça fait monter ta barre. Bon, tu commences. Alors, ça, ils sont réveillés, tes parents. Ça tombe bien. Il y en a un qui va venir jouer tout aux échecs. Je sais pas qui. Ouais, ta mère, peut-être. Parce que ton père, il va être occupé. Il va aller faire des choses. Enlever les nourritures gâtées. Non, pas cuisiner, pas cuisiner. Prendre des restes. Et toi, tu vas venir ici parce que ton fils et toi, vous allez... J'avais pas arrêté le bowling là à un moment donné. Non, bah il ne veut pas s'arrêter le bowling. Allez, c'est parti. Je laisse manger et on va faire des échecs avec sa mère pour faire monter sa logique et surtout sa barre de social. Jouer avec ta mère. Voilà. Attends qu'il joue, mettre une autre action. Il va où? Au travail.
Oh, il est presque à l'heure, dis donc. Alors, c'est son dernier jour de travail, hein, logiquement. Et il va avoir la promo, mais du coup, bah, comme il lui reste 0 jours, et ben ça fait 0 points. Voilà. Donc, en fait, c'était une très très mauvaise stratégie, ce boulot-là, sur seulement 2 heures par jour. Puis bon, c'est-à-dire que si je ne l'avais pas fait arriver en retard tous les 2 jours aussi, il y aurait peut-être eu moyen d'avoir une promo plus rapidement, mais bon, ben voilà. Ah ben voilà, la promo est là. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va récupérer un petit peu de points, qu'on pourra acheter un train. Excusez-moi. Qu'on va pouvoir acheter un trait de récompense à la place, ce qui va nous faire des points. Des points qu'on n'aura pas eu avec. Avec ça. Voilà, magnifique. Donc, avec 1150, est-ce que je peux acheter un trait? N'importe lequel, à vrai dire. Bah, je peux prendre 2 traits à 500, par exemple. C'est pas mal. Ouais, on va prendre 2 traits. Alors, on va faire un trait. Et on va prendre 2 traits à 500. Hop. Et hop. Voilà. Comme ça sera fait. T'en es où sinon? Non, c'est pas ça que je vais voir. Bah, allez, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là. Peinture, tiens. Est presque pour un cinquième point. Toile confiante. Hop là. Un quatrième, un cinquième point. Le bien-être. On est combien? On est deux. Allez, hop, après, tire à faire du yoga. Ensuite, tes parents un petit peu quand même, parce que bon. Faut moins que je fasse semblant, quoi. De m'occuper de que je les nourrisse, que la base. Allez, hop, 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 on est parti, on est parti. Non, il veut pas. Il a faim, mais il veut pas manger. Les trucs sont périmés là-dedans, non? Ouais. J'en étais sûre. C'est Céleste qui meurt. J'étais sûre qu'elle allait mourir avant lui. Il est juste increvable. Je dois avoir un bug en fait. Parce que sinon, je vois pas comment c'est possible. Elle avait beaucoup plus. Non, bah, n'y va pas, mon petit. N'y va pas. Tu vas souffrir pour rien. Retourne faire du yoga. C'est incroyable. Quand on a commencé ce live, il était déjà à la barre pleine. Et Céleste, il lui restait encore pas mal de jours. Et au final, il ne meurt pas, c'est elle qui meurt, quoi. C'est incroyable. Bon, bah. Tu veux pas le prendre en même temps, lui, parce que on sait plus quoi en faire. Et du coup, elle aura pas vu la fin du challenge. Par contre, lui, oui. C'est absolument incompréhensible. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un bug et que John ne va jamais mourir. Ça, j'aurais dû le prendre pour un autre challenge. Genre un petit challenge de la peau, quoi. Tranquille. Il meurt jamais. T'es sûr d'avoir fait sa promo. Bon, ben voilà. Une boniche en moins. C'est horrible ce que je viens de dire. Et puis. Bah, de toutes les façons, on va pas tarder à arrêter le live. Hein, tant pis. On gardera le passage à l'âge adulte pour une prochaine session. Et puis j'espère que ça vous a plu de passer ce petit moment, ce long moment avec moi. Et bah, si vous avez envie de voir d'autres vidéos, bah, je vous conseille voilà, de me suivre sur Twitch ou de vous abonner à YouTube, parce que c'est là que je mets le plus de vidéos. Et puis il y a aussi mon Twitter, si vous voulez être au courant un petit peu de ce qui se passe sur mes chaînes. Et ben voilà, sur ces images de la faucheuse qui fait un peu comme à la maison, on va s'arrêter là. Et puis tant pis, on verra pas mourir John. Du moins pas dans cet épisode. Je sais pas s'il mourra avant la fin du challenge. Mais pour l'instant, lui est bien en vie alors que Céleste est morte. Voilà, bah écoutez, on va arrêter là. Encore une fois, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous fais plein de bisous et puis on se dit à très vite et
voilà, dans une nouvelle vidéo. Ciao !